C'est l'année prochaine qu'on va fêter les 210 ans de l'entreprise Verlivier. 210 ans, mesdames, messieurs, que je vous demande d'applaudir extrêmement fort. Alors, depuis toujours, c'est une histoire de famille, vous le savez, à la tête de son entreprise aujourd'hui, il vient de génération en génération, évidemment motivé par la passion de l'automobile et du service. Correspondant, mesdames, messieurs, aujourd'hui c'est une nouvelle histoire que nous sommes en train d'écrire. Le village prend naissance ce soir à 21h du côté de la concession Peugeot. Vous le connaissez toutes et tous, homme de radio et de télévision, il est aussi auteur, compositeur, interprète français avec une émission que tout le monde connaît. Mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir extrêmement fort celui qui est passé sur France 3 pendant 28 ans d'antenne avec question pour un champion, mesdames, messieurs, Julien Lepers. Bonsoir à tous. Ça ne m'étonne pas. Mesdames et messieurs, un immense bonsoir, bienvenue. Et il y a une dame qui m'arrête tout à l'heure qui me dit « Ah, vous manquez beaucoup aux chiffres et aux lettres, hein ?» Ouais, ça commence bien. Ça commence fort. Hein. Et maintenant, on parle de danse avec les stars. Exactement. Alors, en ce moment, je danse tous les jours. 4 heures par jour, je n'en peux plus. C'est tous retrouvés à la Tour Eiffel. Bon, il faisait un froid, 4 degrés à peu près. Il fallait qu'on soit quasiment en chemise, même pas veste. Rien de veste, c'était terrible. Et on a tourné les premières images du pré-générique que vous verrez donc samedi soir, samedi qui vient. Samedi sur TF1. Samedi qui vient à TF1, 20h40, Danse avec les stars. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. On verra bien parce que je ne suis pas danseur étoile d'habitude. Toutes les demi-heures, il y aura un lancement de voitures dans chaque marque. Kia Niro et Kia Optima. Deux nouveaux modèles de la maison Kia. On ira chez Ford pour le lancement du nouveau modèle Ford, Ford Edge. Et enfin, nous terminerons le chez Peugeot avec le nouveau, tout le monde l'attend avec impatience, c'est moi le premier, c'est le nouveau 3008. J'ai vu une des voitures qui m'intéresse beaucoup, moi personnellement, je serais intéressé pour en acheter une. Sauf qu'il y a trop de monde. Mais là, oui, bien sûr, mais bon. Là, il y a trop de monde. Est-ce qu'on peut me présenter le véhicule personnellement, sur l'air personnalisé? Exactement, il y aura ça dans chaque concession. Kia est là, Ford est juste derrière, et bien évidemment dans l'aire de livraison de chez Peugeot. Alors, question à M. Guillaume de Goudemange. Renaître avec nous aujourd'hui ou pas? J'imagine. Alors, question pour un champion. Très heureux d'être avec vous ce soir. Ça va pas me lâcher toute ma vie, c'est facile. C'était facile. Oui. Et justement, je ne suis pas le seul à être heureux puisqu'il y a à peu près 2000 personnes qui partagent ce bonheur avec toi. Vous n'avez tout? Donc qu'est-ce qu'on fait Olivier exactement? On va découvrir ces deux, on descend? On va descendre. On va découvrir ces deux véhicules. On va descendre. Deux véhicules Kia. On y va? 5, 4, tout le monde, 3, 2, 1, parti! On découvre ce nouveau modèle Kia. La Kia Niro. Voilà la nouvelle Kia Niro, très applaudie ici. Est-ce que quelqu'un peut prendre l'initiative? Vous êtes une, je sais pas, 5, 8, 10. Allez, initiative de relever la bâche pour monsieur Kia Optima. C'est parti! Kia Optima, la nouvelle. On vient de faire un moteur électrique qui termine, c'est ce que vous avez dit, un moteur électrique, un moteur thermique. Combien de chevaux développe ce nouveau véhicule Niro, Kia Niro? Ce véhicule développe 141 chevaux. Combien j'ai pas entendu? 141. Chevaux. 141 chevaux. Le Kia Niro bénéficie aujourd'hui d'un bonus écologique de 750 euros. Ah, 750 euros. 750 euros. Exactement. Merci Damien. Bon applaudissement pour Damien. Grand chef des ventes Kia. Damien. Monsieur Christophe, alors c'est moi Christophe, comment ça va Christophe? On s'est pas serré la main. Bonsoir Christophe. Alors Christophe, commercial Kia, et notamment de la Kia, de l'autre Kia, la Kia Optima. Oui, Optima Plug-in. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer la technologie Plug-in? Plug-in. Plug-in hybride. Ça consiste en quoi exactement? Disons que c'est un moteur électrique accouplé à un moteur essence.
parce que là, je suis un peu limité. Là, c'est le truc. Oui, à la différence, c'est que celui-là, il est rechargeable sur des prises domestiques. La différence entre l'une et l'autre, c'est que celle-ci, l'Optima Plug-in, est rechargeable sur les prises domestiques. Et celle-là? Et celle-là, c'est simplement pour roulage. Très très belle voiture, très silencieuse, très confortable, autonome. Regarde-moi ça, mais bien sûr que t'es très mignon. Oh là 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 là, c'est à toi ces yeux-là. Ah. Ça. La première est sortie des usines Ford. La Ford T. T comme Thérèse. Ah, que je l'aime, que je l'aime, ce jeu. Ah, ça y est, ce jeu. Ça y est, bien sûr. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, oui. Je suis sûr que t'allais le faire, ça. David Audebrand. Il est là. Et Nicolas. Nicolas, oui, exactement, Nicolas Bonin. Et Nicolas Bonin. Alors, le chèque de combien? Alors, 460 euros qui ont été collectés donc, par les équipes et par les associations. Donc, on a le plaisir, effectivement, de financer ces 4 associations pour 460 euros. 460 euros. On redit encore, où est-ce qu'ils vont? C'est 460 euros à l'association à l'emploi. Alors, ici, l'image qu'on a donnée, donc l'association de l'opération à l'emploi pour nos enfants. Et les 4 associations qu'on connaît maintenant autour des activités sportives sur la ville de Galalion, pour sur les partenaires de l'éducation sanitaire. ASC, HBC, CLGV, ISUF, le SUF. Merci. Merci, monsieur le président. 4060 euros, Galalion, ça s'applaudit ça. 4060 euros. Olivier, ça alors lui, 10. Alors, le nouveau Ford Edge, c'est un 4x4, gros 4x4, le plus grand 4x4 de la gamme. Donc, c'est un 4x4 familial qui a la particularité d'avoir une transmission intégrale intelligente. Donc, 4 roues motrices sur toute la gamme. 4 roues motrices. Boîte qui permet d'avoir des passages de rapport très souples et une consommation identique à une boîte mécanique. Les radars de recul, le régulateur de vitesse, du trafic. Radar de recul, voilà, pour stationner. Si je te dis siège chauffant, bien sûr. C'est oui. Oui. Le hayon et les portes. Les portes s'ouvriront sans sortir les clés. Ça s'appelle le K-Free, c'est américain, Julien. Tu peux transformer ce véhicule de façon à ce qu'on la mette en société. Exactement. Et là, ça devient très différent d'un autre chiffre. Vous êtes d'accord ou pas? C'est ça. On est tombés d'accord tous les deux. On est d'accord. On va se croire. J'ai dit, bien sûr, on va se croire. La voiture, comme tous les autres lancements, sont disponibles où ça, Olivier? L'univers découverte, personnalisé. Vous voulez essayer? Ça y est, il y en a qui y est déjà. Ils sont prêts déjà devant. Bon commande, premier bon commande. Il y a peut-être un premier bon commande sur ce véhicule.
Il s'appelle Julien. Il est là. C'est un véhicule dont beaucoup de monde parle en ce moment. Tout à fait. Pour nous, pour la marque Peugeot, c'est un lancement majeur. Oui, majeur. Et donc, on a 100 000 clients sur le 3008 phase 1. Phase 1. Oui. Et donc, on aimerait poursuivre ce succès. Bien sûr. Avec le nouveau 3008. Le design, grâce, vous le verrez lors de la découverte, surtout par l'intérieur avec notre high cockpit. Laurent Rodriguez est là. Voici les noms. Laurent, une fois. Laurent, deux fois. Laurent Rodriguez. Qu'est-ce que c'est que ça, Laurent ? Jean-Claude Scardini et David Fock. On est heureux de leur remettre ces shorts. Et c'est important pour nous, ce partenariat, puisque ça nous permet de développer des valeurs communes entre le rugby et le commerce, à savoir combativité, esprit d'équipe. Et c'est pour nous, là, une trace et une marque très très importante. Merci beaucoup. Et je souhaite remercier la société Vervilliers. Depuis qu'ils sont sponsors chez nous, vous aurez vécu. Depuis qu'ils sont sponsors, nous sommes invaincus. On prend dit ça très haut, monsieur. Tous les articles de presse sont unanimes. Tous les articles de presse sont élogieux. Pour dire que le véhicule que nous allons vous faire découvrir à l'instant est un véhicule vraiment, vraiment exceptionnel. Laurent, tu restes avec nous, merci beaucoup Jean-Claude. Jean-Claude Scardigli et David Fock, merci infiniment messieurs. Attends. Ah, croyez de main, super. Attends, fort. Ah, ah, attention, la main, ne m'écrase pas la main. C'est pas un demi-main. Oh là là, attends, je crains le pire. Ah, 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 la main. Attends, on s'embrasse. Le bisou. Bon, merci infiniment messieurs, merci beaucoup messieurs. 5, 4, 3, 2, 1, rentrez la main tout de suite, et voilà. La durable lutte Peugeot avec tous les projecteurs autour d'elle, les rugbymen bien sûr, la nouvelle 3008. Nous appelons un crossover aujourd'hui de passer sur un SUV. Ce sont mes ambassadeurs que sont Richard et Stéphane qui auront le plaisir de vous faire découvrir de façon beaucoup plus technique que moi ce véhicule. Les protections latérale. Protection latérale. Grosse protection latérale, oui. Au niveau des passages de route. Oui. Grosse protection latérale au niveau des bas de caisse. Et oui. Surtout, Julien, oui. Très important pour un SUV. Ouais. Il est très très haut. Il fait 22 cm de garde-fer. C'est-à-dire, donc ça doit être véhicule très haut. Ouais. D'accord. Le nouveau Peugeot 3008 oui. SUV. Oui. Un tout nouveau high cockpit. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est complètement fou, ça, moi j'ai jamais vu ça. C'est impressionnant. Bon, on va dire c'est une belle bête. Le véhicule, oui. Ce 3008 fait 100 kg de moins que l'ancien 3008. Combien quoi? Attends, je ne sais pas. 100 kg. C'est énorme. 100 énorme. Kilo. 100 kg. 100 kg de moins. De moins sur une voiture qui fait. Ah, d'accord, 3... 100 kg de moins. Par rapport à l'ancien. Il est exclusivement assemblé à Sochaux. Sochaux. Et oui. Attention, oui. Les moteurs, Julien. Les moteurs, oui. Tous les moteurs. Il y a les moteurs Purtex, oui. C'est-à-dire essence. Diesel, c'est-à-dire Blue HD, oui. Sont assemblés à Trémery ou Touraine. Joli. Tout ça, c'est français. Voilà. Bleu, blanc, rouge. Voilà. Merci, Richard. C'est les prémices de la conduite autonome. Tu vas un petit peu, tu glisses un peu vers la droite. Le volant va reprendre. Il reprend lui-même tout seul. Il va retourner vers la gauche. Ça, c'est génial. Ah. Le 3008 est positionné premium. Il a toute la sécurité du véhicule premium. Infotrafic en temps réel, d'accord, oui. Et surtout, la lecture des panneaux. Tous les 3008 ont la lecture des panneaux de signalisation de vitesse. Et si le 3008, même qu'il est connecté, il y aura une erreur de connexion par X raison, vous avez une caméra en vue pare-brise qui va lire les panneaux, si les panneaux ont changé entre-temps. Nous avons un nouveau système de freinage anti-collision révolutionnaire. Ça s'appelle la Cliff City Break. Ça va détecter une voiture, ça va détecter un piéton. Je vous l'avais acheté. Le 3008 embarque à peu près 2-3 000 euros d'équipement en plus par rapport à l'ancien 3008. 7 véhicules 3008 ici sur la concession. Hein, voilà. Stéphane, je te félicite, j'ai une pulsion, je t'embrasse. Il a une pulsion, attention. Pour l'inauguration du village, Berbiguet Village Automobile, 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.
Voilà. Là, c'est un nouveau village. Le top. C'est ta création, Christophe. C'est un lieu qui est ouvert maintenant, tous les jours, non-stop, de 8h à 19h. 5500 m² couverts. Un choix de 400 véhicules entre le neuf et l'occasion en permanence. C'est 120 collaborateurs. C'est un lieu écologique parce qu'il y a deux bornes gratuites de recharge pour les véhicules électriques. Le premier engagement, c'est que si vous achetez une voiture chez nous, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec vos téléphones portables, vous envoyez un voyant qui s'affiche, un problème que vous rencontrez, et on vous répond 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Premier engagement. Deuxième engagement, c'est que tous les véhicules de courtoisie qui vous seront mis à disposition seront gratuits. Troisième engagement, c'est qu'une fois par an, vous aurez un diagnostic qui vous sera offert. Et quatrième engagement, tout véhicule acheté chez nous du village, c'est qu'on vous rachète la voiture. Bon, il faut applaudir parce que... Non mais... Moi, je voudrais... Désolé pour le débat, hein. Je te fous un peu, je vais te le dire. Eh, il n'y a qu'un Cavaillon qu'on voit ça. Je dis ça, je dis rien. C'est jamais vu. On a ouvert hier matin un concept qui s'appelle Ma première voiture. Ma première voiture, ça concerne les jeunes qui viennent passer le permis. Oui. Ça concerne une voiture, une assurance comprise, et je remercie d'ailleurs Isabelle Cosimi et Christophe Carizo qui sont nos partenaires avec AXA et qui nous ont fait un package extraordinaire, c'est-à-dire les deux premières échéances de l'assurance sont offertes. C'est-à-dire, il y a une garantie qui s'appelle Joker. Lorsqu'on est jeune, on a envie de sortir en boîte, un petit coup de téléphone, on vient les chercher et la voiture est ramenée. Voilà. Donc ça, c'est un engagement qui est pris par Isabelle Cosimi et Christophe Caruso. Et ça fait partie du concept. Et le troisième point, c'est que avec notre partenaire, avec nos partenaires financiers, on finance même les personnes qui ont un contrat à durée déterminée. Voilà. Gamberbiguier grandit, bien évidemment, Cavaillon grandit. Comme Christophe, nous allons grandir. Libérons Mont de Vaucluse. Notre intercommunalité franchira ce fameux chiffre fatidique de 50 000 habitants, puisque nous serons 55 000 au 1er janvier 2017, et nous allons passer communauté d'agglomération. Grandir suffisamment pour peser sur le cours des événements et ne pas les subir. Afin que la postérité, la réactivité et la qualité du service rendu demeure la pierre angulaire de nos interventions. Je finirai par cette petite pensée émue pour ton grand-père, parce que je me souviens de son garage, pas loin de l'hôpital de Cavaillon, et ça, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Merci à toi. J'ai arrivé premier adjoint au niveau de Cavaillon et président de la communauté des communes de Louvain, Mont-de-Vaucluse. Voilà une belle photo, Olivier Ziffel, pour revenir, c'est le moment d'y.
Danser. Pour une bonne. Mesdames et messieurs, du